L'instauration de l'éducation sexuelle dans les lycées, dans les écoles, est une mauvaise chose qui va détruire beaucoup de nos jeunes filles à l'avenir. Je ne le vois pas encore mauvais. Je pense que c'est une bonne chose. On sait maintenant que sur les réseaux sociaux, des mauvaises choses se passent déjà. Ça dépend de comment la formation va se passer. Au fait, instaurer ça dès la maternelle, au primaire, jusqu'au cours secondaire, à l'université. Oui, mais c'est détruire l'avenir de nos enfants. Est-ce normal? Je ne vois pas que cette chose est une chose mauvaise. D'après vous-même, est-ce normal que vous leur appreniez ça? Ça dépend de comment la formation va se passer. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Je suis pas d'accord. Ça, là, c'est les exposer maintenant à la pornographie générale. Bon, on sait qu'il a masturbation, il a dragué les femmes et tout ça, là. Oui, ne vous voyez pas. Donc, pour moi... Il faut dire à l'enfant que draguer une femme ou bien et se masturber, là, c'est une mauvaise chose. Non, je ne suis pas totalement d'accord. Souvent, on nous informe. C'est ce que l'éducation béninoise fait. Freiner les grossesses non désirées. Freiner les grossesses non désirées. Il y a beaucoup de cas de grossesse. Et c'est parce que la fille ne sait rien du sexe. Et c'est peut-être les amis qui lui ont parlé de ça. Ah, ok. On attire beaucoup plus l'attention des enfants sur certaines choses qui pourraient, de par leur curiosité, les nuire dans l'avenir. C'est ce que moi je pense. Nos aïeux ont vécu avant nous. Ici, on est en Afrique. Au cours primaire, quand on instaure l'éducation sexuelle, ça ne voudrait pas dire qu'on pousse l'enfant à pratiquer l'acte sexuel ou à se donner à cette pratique. Ce qui ne tient pas. Depuis le bas âge, c'est que comme on nous habitue à la maison, comme maman dit ici, c'est quoi? Il dit c'est la tête. Ici, c'est quoi? C'est les membres. On dit ici, c'est quoi? Il dit c'est le sexe. Il sait que ça ne sert pas. Une partie extraordinaire de son corps, ça fait aussi une partie qui est comme les autres parties de son corps aussi. Donc, ça ne serait plus quelque chose de tabou pour lui. Ça ne tient pas debout. D'après moi, ça ne tient pas debout. C'est ce que moi je pense. Tout en les apprenant ça, qu'ils ont encore le vouloir de le faire. L'enseignant qui est conscient et qui enseigne cela aux enfants au cours primaire ne leur dira pas d'aller à cet acte. Là, c'est pas affaire des enfants. Et s'ils auront encore du respect envers leurs parents? Je suis sûr que nos parents, nos plus âgés, n'accepteront jamais cette décision-là.